C'est une population qui indirectement a été mise en marge pendant des années, que ce soit sur le marché de l'emploi ou le marché de la formation. Donc c'est des gars qui, entre guillemets, à force d'avoir des portes qui se claquent, ben, on finit par comprendre que justement la meilleure façon d'avoir un travail était de le créer, tout simplement. La porte est ouverte. Une sorte de tremplin en fait. On leur offre la possibilité de venir dans un espace, de travailler sur leurs idées, mais en même temps de connaître à leur rythme tout un monde d'opportunités qui est le monde des nouvelles technologies et des start-up tech. Do you have some conditions so everyone can come? Alors, we've got some conditions. Mm-hmm. Motivated people only, okay. And people willing to share their knowledge and skills. Cette activité en elle-même, c'est une réussite. Il y a des jeunes qui sont rentrés ici vraiment sans réelle perspective à l'origine et maintenant qui sont à la tête de start-up et sont en train de développer leur projet. Modern Geek, c'est de là que tout part. Parce que bon, déjà, entre guillemets, l'idée a vu le jour à Modern Geek. Par Modern Geek, ils m'ont aidé dans le brainstorming, ils m'ont aidé dans la communication, ils m'ont aidé dans énormément de choses. Oui. People need to feel that they are part of the society. They need to have the access to education, to jobs, and this is something what socialists and democrats try to promote: safe social society and also opportunities for young people through different funds, different programs that we have. Nous, notre rêve, c'est d'être copié, d'être copié et implémenté ailleurs, dans d'autres quartiers, et faire en sorte vraiment de combler ce gap qu'il y a entre la digitalisation et nos quartiers. En fait, avec Ibrahim, on crée de la valeur, en fait, pour la Belgique.